Bonjour tout le monde. Et toujours bon Ramadan, on est toujours au début. Hein. 4-5 jours, ça dépend du pays. Il y a des gens qui ont commencé donc, le lundi, d'autres ils avaient commencé donc, le mardi. On est à un jour près. Mais on est toujours au début de ce Ramadan. 4-5 jours, bon, on a encore 24 ou 25 jours pour faire donc, des affaires dans ce Ramadan. Et aujourd'hui, je vais parler d'une chose que Ramadan aide beaucoup, et aide à 70%. Là, je vais parler de la cigarette, les gens, du tabagisme, les gens donc, qui fument. Et j'espère bien que ces gens, quand même, soient aussi forts et soient aussi courageux donc, pour s'arrêter de fumer, pour arrêter de fumer. Et pourquoi les gens, disons, Dieu nous apprend à être forts et vous décidez vous-même de jeûner, hein? Personne ne vous oblige, hein. Vous pouvez vous cacher et manger, mais de toute façon Dieu vous voit. Mais personne ne vous oblige à jeûner et personne ne vous oblige, il n'y a aucune force qui vous oblige à ne pas à manger, ne pas voir, ne pas boire et ne pas fumer, bien sûr. Et pourtant vous le faites vous-même, c'est une décision que vous avez prise à l'intérieur de vous. Donc ça veut dire que c'est une force extrême parce qu'actuellement on a des problèmes à se décider, hein. Dans les pays occidentaux, ils ont des problèmes à se décider. Il faut qu'ils voient avec l'avocat ou avec je ne sais pas quoi, avec la famille ou avec des amis, avec un bureau d'études ou avec un expert, je ne sais pas quoi, pour décider. Hein. Et il leur est difficile actuellement de se décider. Et la décision, ce n'est pas chose facile psychologiquement. Et le Ramadan, il nous apprend à décider. Parce que déjà, quand vous décidez que vous n'allez pas manger, vous n'allez pas boire, vous n'allez pas fumer, tout ça, c'est déjà l'extrême et c'est l'idéal. De la chose morale de ce Ramadan et de ce fasting. Vous avez déjà appris à décider. Et pourquoi vous vous décidez et vous prenez cette décision très forte, décision dangereuse que vous prenez, hein, pas manger, ne pas boire, ne pas fumer la journée, et puis la nuit vous fumez. Oui, parce que vous mangez. Et c'est la même addiction. Vous avez une addiction donc à la nourriture, vous avez une addiction à la cigarette aussi. Mais pourquoi ne pas continuer, ne pas fumer la nuit là et continuer cette décision, continuer à avoir une décision encore beaucoup plus forte que cette décision de la journée. Vous ne fumez pas la journée, ça veut dire que vous réussissez, vous avez déjà réussi donc votre projet. Vous ne fumez pas toute la journée. Donc continuez, c'est tout. Donc la décision est déjà prise. Mais pourquoi vous ne continuez pas? Pourquoi quand vous rampez votre jeûne et vous mangez puis vous allumez votre cigarette? Bon, vous continuez, ne fumez pas, et c'est tout. Et ça fait partie donc du bon jeûne. Ce que c'est, notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, a voulu qu'on soit fort. A voulu, il veut qu'on soit fort. Et nous, on cherche, disons, à se perdre avec n'importe quoi, avec des petites choses, et on se perd. Et on s'affaiblit, et on devient rien, aucune valeur. Mais là, les fumeurs, je peux. Donc, ajouter à ça, hein, cette volonté et cette décision forte de ne pas fumer la nuit et continuer, et faites-le en groupe. J'insiste beaucoup, faites-le en groupe. Les gens qui se groupent par 3, par 4, par 5, même par 10, qui se groupent, qui le font ensemble pour bénéficier de l'effet groupe. Parce que quand vous faites la chose seul, vous le faites difficilement, mais quand vous le faites dans un groupe, vous le faites facilement. Faites le Ramadan à 3 ou à 4. Et disons à tour de rôle, hein, vous rampez chez Monsieur Ahmed et le lendemain chez Monsieur Michel, le troisième jour chez Monsieur Abdullah et vous tournez comme ça et vous restez avec hein, le groupe et vous restez ensemble, vous restez ensemble, hein, et comme ça vous aurez donc à vous débarrasser de cette cigarette avec très facile, d'une manière très facile et sûrement et sans aucun problème. Vous voyez? Bon, dans les pays où ils ont et ils ont certains produits, on va leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent acheter à la place de la cigarette, et ça fait la même chose, mais il est naturel. Et si d'abord cette décision elle est primordiale, hein, c'est quelque chose de capital, donc pour s'arrêter de fumer. Secondo, arrêter les viandes et les sucres. Arrêter les viandes et les sucres. Pourquoi? Parce que les viandes, ça rend le sang un peu visqueux, ça circule mal. Et puis les fumeurs, ils ont le taux de nicotine dans le sang, ils sont toujours tendus. Et arrêtez les viandes pour que votre sang soit fluide. Quand vous avez un sang fluide, vous êtes en bon état psychique et moral. Et arrêtez les viandes, toutes les viandes, hein, poulet, tout ça, toutes les viandes, tous les types de viandes. Vous pouvez manger un peu d'œufs, les œufs, oui, et le poisson. Prenez beaucoup de poisson, même. Parce que le poisson, il est riche en oméga-3 et en vitamine D, il est riche en iode et en vitamine B. Et toutes ces choses-là, ça calme un peu les nerfs, surtout l'iode et la vitamine B et le calcium magnésium, bien sûr. C'est la meilleure source d'ailleurs du calcium magnésium, hein, le poisson.
Donc, manger du poisson à la place de la viande, et puis régime végétarien avec le poisson, huile d'olive à la place donc des huiles de table, des huiles donc raffinées, et pas de sucre. Parce que la molécule du saccharose que vous avez dans le sucre de thé et le sucre que vous mettez dans votre café, la molécule, elle ressemble un peu à la molécule de la cocaïne. Et il crée des décharges au niveau de votre système nerveux. Évitez donc les sucres, tout ce qui est confiture, marmelade, tout ce qui est jus de sucré, c'est les gâteaux, les petits fours, toutes les choses qui contiennent du sucre. Et ne mettez pas le sucre dans vos thés. Prenez un thé sans sucre, hein. Ça fait pas de mal. Ou une infusion, une tisane, quelque chose comme ça. Ça, principe 1, pas de viande. Principe 2, régime végétarien plus poisson. Poisson et huile d'olive obligatoire. Hein. Et tertio, hein, numéro 3, vous pouvez donc aider, c'est un facteur très important d'ailleurs, c'est du sport. Le sport d'ailleurs pour que votre corps se débarrasse de cette nicotine et des choses toxiques qu'il a accumulées. Du sport jusqu'à la sueur. Quand vous avez la sueur, là, c'est bon. Mais pas un sport, disons, fort, vous marchez, c'est tout. Hein. Une bonne marche, hein, une bonne marche. Et puis, chaque jour, une bonne marche chaque jour, hein, 1 heure avant de rompre, hein, de préférence 1 heure avant de rompre, comme ça, si vous avez soif, donc vous n'attendez pas longtemps hein, pour boire, mais ne buvez pas tout de suite de l'eau, hein, quand vous rompez, ne buvez pas de l'eau tout de suite, ne buvez pas l'eau avec le repas, hein, prenez un demi-verre ou un petit verre donc d'eau tiède avant donc de rompre, avec les dattes et tout ça, vous rompez avec les dattes et tout ça, et puis vous mangez votre repas, hein, tout ce que vous voulez. Et puis la nuit, vous buvez beaucoup d'eau. Si vous voulez faire encore du sport la nuit, c'est un peu à 3 heures après, après avoir rompu. Donc, après Salat Tarawih, après la prière de Tarawih et tout ça, hein, si 3 heures, disons, la prière donc, du Maghrib et la Maghrib du Isha, ça fait 3 heures un peu. 3 heures, c'est bon, vous pouvez faire du sport. Et puis, peut-être vous avez des problèmes à dormir, ce n'est pas méchant, hein, ce n'est pas grave, de toute façon vous allez dormir dans tous les cas. Mais dans les pays où ils ont déjà des pharmacies vertes et des endroits qui vendent des produits bio et des produits comme ça, en Europe, il y a même des magasins qui sont spécialisés dans les produits de la ruche. Acheter de la propolis en capsule et de la propolis en poudre, c'est mieux. Hein. Propolis poudre. Hein. Achetez donc la propolis en poudre sous forme de capsule et puis la gelée royale sous forme ampoule, la gelée royale buvable, les ampoules de 1 gramme. Et pourquoi? Parce que les produits de la ruche, l'abeille, les produits de la ruche, il y a la mélitine et la dopamine. La dopamine c'est une substance qui fait la même chose, pas la même chose, fait un peu l'inverse. Mais la dopamine et la mélitine, ça permet de contrecarrer l'effet de cette addiction. Donc vous ne faites pas de crise, vous ne sentez rien. Si vous prenez donc 1 gramme de gelée royale par nuit, hein, prenez-le, disons, après la prière de Tarawih, ou prenez-le le Sahur, repas de Sahur, prenez-le comme vous voulez, c'est pas, prenez-le comme vous voulez. Hein. 1 gramme de gelée royale par nuit, et puis 2 grammes donc, de propolis, 1,5 jusqu'à 2 grammes, c'est bon. Donc ça peut aller. Donc 2 capsules ou 4 capsules, ça dépend de la capsule. Il y a des capsules de 0,5 grammes. Hein. Vous prenez 2, donc c'est déjà suffisant. Et les pays qui n'ont pas cette propolis, cette gelée royale, donc ils peuvent le faire sans ces produits-là. Mais pourquoi? Parce que dans nos pays, on est beaucoup plus, disons, on est beaucoup plus aisé à couper la cigarette. Mais dans les pays européens et américains, ils trouvent des difficultés à couper la cigarette. Pourquoi? Parce que la société, le mécanisme de la société, les cafés. Et puis on a des visites, des trucs comme ça, et puis tout de suite, hein, ils ont ces gestes rapides d'allumer la cigarette. Dans nos pays, là, déjà, on se sent un mal interne parce qu'on fume. Il y a des gens qui n'allument pas la cigarette devant leurs parents. Et ça existe dans tous les pays. Mais surtout dans ces pays maghrébins et les pays arabes, les pays musulmans en général, là, il y a des enfants qui fument, mais ils n'arrivent pas à allumer la cigarette devant son papa ou sa maman. Beaucoup, une grande proportion. Mais essayez de le faire, au moins essayez. Essayez ça, mais c'est la seule méthode facile et sûre. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé, mais qui, bon, ils ont fait une chute, qui se sont revenus à la cigarette. Mais ça, c'est une méthode qui va. Il y a un autre facteur, mais ce n'est pas la peine. Le mois de Ramadan, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas un facteur pratique, le mois de Ramadan. Mais dans les autres mois, on peut le faire. Mais c'est un autre facteur. De toute façon, essayez avec ça, c'est très suffisant et ça va vous aider donc à vous débarrasser donc de cette cigarette. Parce que non seulement vous brûlez votre santé, vous brûlez les deux. Vous brûlez votre argent
et vous brûlez votre santé. Et je veux vous dire une petite chose là, souvenez-vous de ce que je vais vous dire. Si vous vous arrêtez de fumer, vous n'allez pas mourir. C'est tout. À un autre épisode, Inch'Allah, salam.